On va parler pâturage, mais plus spécifiquement dans les zones céréalières. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui êtes en zone céréalière? Ah, ah, et vous êtes où? Ouais, sur la zone céréalière. Dans l'Ain. Ouais, dans l'Ain. Alors en fait, oui. Ah pardon, ah oui, la Meuse. Ah oui, dans zone céréalière aussi. Les systèmes des brebis en zone céréalière, il y en a toujours eu, hein. Mais on est plutôt, par exemple, quand on prend le centre Val-de-Loire, on est sur une région où on augmente en nombre de brebis, et c'est plutôt dans les zones céréalières où on met des brebis. Et les systèmes sont complètement différents de ce qui était pratiqué, hein. C'est plus des systèmes du tout à base de paille, hein. Paille, pulpe, luzerne, hein. Ça c'est des matières premières qui sont très chères. Et donc, maintenant on est sur des systèmes qui sont pâturants en fait, y compris en zone céréalière. Je sais pas, vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a à pâturer en zone céréalière? Déjà. Le blé. Alors, le blé, ça peut être effectivement une solution. La première phase. Ouais, au stade talage. Les couverts végétaux. Voilà. Alors, les couverts végétaux, c'est ce qui, en plus grand nombre, et ce qui se pâture relativement facilement et sans trop de contraintes. L'air pousse de colza, oui, aussi. Et puis, vous avez aussi éventuellement les luzernes, quand vous êtes sur un système qui peuvent être utilisées par les brebis. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est une étude, les résultats d'une étude qui a été réalisée à l'INRAE de Bourges, où on est sur un système céréalier, vous voyez, c'est la plaine, hein, et où on a testé, en fait, un système très simple, où les brebis pâturent 10 mois sur 12, y compris les agneaux. Alors, la question qu'on nous pose souvent hein, dans les nouvelles installations, c'est ben, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme race de brebis? Mais en fait, il y a une cinquantaine de races en France, hein, et en fait, il faut réussir à choisir celle qui convient. Là, on en a testé deux. La Berrichonne de l'Indre, alors pour ceux qui sont de l'Indre, vous connaissez, c'est une race qui est vraiment originaire du centre Val-de-Loire, qui est plutôt allongée au niveau du gigot. Hein. C'est celle-là. C'est une des brebis qui sont assez hautes. Hein. Et puis la Romane, alors la Romane vous connaissez tous, hein, un système avec plus de prolificité. Et donc on les a suivis pendant 2 ans avec un système de reproduction qui est très simple, donc qui est conduit uniquement sur une seule période au printemps, hein, avec des agnolages à l'automne, et simplement 2 cycles de durée de lutte, hein, c'est-à-dire 35 jours. Vous connaissez ce système-là ? Tous, ouais. Donc auparavant, y a eu des béliers vasectomisés hein, pour déclencher, c'est pas du tout une obligation, hein, mais pour déclencher les chaleurs, pour ce qui peut assurer donc seulement 2 cycles de lutte, sinon on peut les mettre 3 cycles. Hein. Et puis surtout, il y a des échographies, hein, parce que si on a un problème de fertilité, il est encore temps de les rattraper. Bon là, vous avez les résultats de l'INRAE de fertilité, ça fait rêver quand même, hein. On est systématiquement au-dessus de 80% de fertilité hein, sur 2 cycles de lutte. C'est des brebis qui sont en bon état à la mise en lutte, hein, avec des béliers qui sont suffisamment nombreux, etc. Bon, vous, dans le lot, je ne sais pas si vous arrivez à ces taux de fertilité-là, si, hein, sur certains. Ouais, je sais que vous avez peu de soucis, en fait. Hein. Peu de soucis. Mais les brebis sont peut-être aussi en bon état quand elles sont mises en lutte. Hein. Voilà, de toute façon, il n'y a pas le choix. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, après, au niveau du pâturage, donc je vous l'ai dit en introduction, on est vraiment sur des systèmes très pâturants. Donc là, on est en zone céréalière, donc là, on pâture au fil. Hein. Il n'y a pas de clôture hein, fixe. Hein. C'est tout au fil électrique, hein, posé à la main, mais surtout au quad, hein, parce que sur les gros troupeaux, quand il y a beaucoup, beaucoup à poser, les éleveurs, ils s'équipent de quad hein, pour poser. Hein. Sinon, voilà. Donc, au printemps, elle pâture les quelques prairies permanentes. Hein, c'est des brebis qui ont à faible besoin. Ensuite, il y a les seconds cycles de luzerne à pâturer. Hein, ça, c'est les systèmes céréaliers. En fin de gestation, on est en plein été. On ne prend pas de risque hein, de sous-alimentation des brebis. Surtout que là, vous en avez quand même un certain nombre. La romane, c'est plus de 200 de prolificité. Hein, donc, vous avez des triplés et des quadruplés. Donc là, si vous n'alimentez pas comme il faut, c'est même pas la peine d'en parler. Hein. Donc là, vous voyez, on est sur des foins de prairies permanentes ou de luzerne, et les brebis ont entre 800 grammes et 1 kg de concentré par jour. Hein. Donc concentré qui est composé de céréales et de févrole là, qui est produit sur l'exploitation.
Ensuite, il y a eu deux années, il y a eu deux tests. Donc là, André, tu vas pouvoir apporter ton témoignage, je sais. La première année, il y a eu de l'agnelage plein air, mais qui a été réalisé sur une parcelle qui a été un peu sacrifiée, hein, où les brebis ont été affouragées et complémentées. Et la deuxième année, donc les brebis sont rentrées en bergerie environ 3 semaines, puis ressorties. Bon, vous verrez sur la mortalité, il n'y a pas de différence. André, est-ce que tu veux témoigner sur le sujet ? Donc, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Ouais. Nous, on le pratique depuis longtemps, effectivement, et par manque de bâtiments aussi. Et donc, il n'y a plus de limite dehors, même s'il y a 1000 brebis à faire engueuler, c'est plus un problème. Donc, essayez-le. Bien sûr qu'il faut le surveiller. Donc dès qu'il fait jour, on y va, et jusqu'à tomber la nuit, on refait une tournée aussi, bien sûr qu'on le surveille, c'est pas suffisant que c'est dehors qu'on n'y va pas, donc on surveille bien, on boucle le jour donc, de la naissance, effectivement, et dehors on a quelques cages d'adoption pour faire les adoptions d'agneaux nés triples à des brebis simples, et on le réussit 9 fois sur 10, quoi. Donc bon, je veux dire, bien sûr que c'est possible, bien sûr que c'est possible. Ça se fait pas comme ça. Il faut avoir un peu la recette quand même, André. Comme tu l'expliques là. Peut-être, mais il faut surtout oser. C'est nous-mêmes qui nous bloquons souvent. Il faut oser. Enfin, bon, je ne veux pas vous faire mon histoire. Donc on est parti là-bas en Nouvelle-Zélande. Si on n'avait pas osé expérimenter, on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait. Si tu te fais peur toi-même d'entrer, c'est foutu. Donc je dis à tous les jeunes, ayez le courage d'expérimenter. Et vous apprendrez tout seul et vite, et vous aiderez tout le monde en plus. Donc voilà, donc l'agnelage de plein air, n'ayez pas peur. Bon, bien sûr qu'on fait les échographies, les machins, on sait où sont les doubles, les simples, les triples, bon, on sait où on en est, quoi. Et c'est pas voilà, mais grâce donc, effectivement, à un quadrillage, un pâturage tournant, et bien sûr aux clôtures avec le quad, l'approvisionnement en eau, le réseau d'eau qui alimente toutes les cellules de pâturage, et on fait tourner, et on avance, et on surveille bien, et bien sûr qu'on rentre pas les brebis après l'agnelage, avant l'agnelage, pendant l'agnelage, non, tout reste dehors, et c'est bien plus simple, surtout lorsqu'il y a une certaine taille, quoi. Parce que bon, dedans, à la limite, on les connaît, hein. Les murs, on y arrive vite. Hein. Et donc là, à partir de 3 semaines, en fonction de la disponibilité des couverts, parce que les couverts, en fait, les rendements, ils sont extrêmement variables. Hein. Et vous avez des années où ça pousse quasiment pas parce qu'il ne pleut pas. Hein. Donc vous avez 500 kg de matière sèche, même des fois moins. Et puis les très, très bonnes années, vous arrivez à 4, 5, 6 tonnes. Hein. Il y a eu des années exceptionnelles. Hein. Où il y a eu des couverts qui arrivaient là, en fait. Mais en moyenne, on est autour de 2 tonnes de matière sèche par hectare, hein, sur du couvert végétal. Donc, la caractéristique, c'est qu'on est sur des systèmes qui sont économes, on va dire, hein, puisque vous voyez, quand vous avez les couverts végétaux, on est à 110 kg de matière sèche par brebis. Nous, dans nos systèmes herbagés, Rodolphe, on est entre 250 et 300 kg. Hein, et quand on a une bonne sécheresse l'été, on est à plus. Hein, donc je vais, bah, et le concentré, bah, en France, on est à 170 kg en moyenne de tous les systèmes. Et là, vous voyez qu'on consomme très peu. Mais attention, il faut absolument un stock de sécurité. Parce que les couverts végétaux, ce n'est pas du 100%. Hein. Les rendements, quand vous avez des graminées et des légumineuses, ça baisse. Bon, d'accord. Mais les couverts, c'est encore pire. Hein. S'il ne pleut pas en été, vous n'en avez pas. Voilà. Donc un stock de sécurité obligatoire. Bon, alors voilà, les agneaux. Ils sont sevrés relativement tard, hein, ce sont des agneaux d'herbe, autour de 4 mois. Et ensuite, s'ils restent des couverts, ils restent sur les couverts. Et une fois qu'il n'y a plus de couverts, ceux qui ne sont pas finis rentrent en bergerie. Alors, évidemment, ce sont des agneaux qui, en moyenne, vont avoir un peu plus de 6 mois. Hein. C'est de l'agneau d'herbe, hein. On n'est pas sur de l'agneau jeune. Voilà, ça je... Mais voilà, dans le cadre d'un ancien projet, on avait fait des tests de dégustation hein, sur ce type d'agneau qui ne pose pas de problème particulier à la dégustation. Je vous le dis, hein, ça ne pose pas de problème au niveau du consommateur. Je ne sais pas, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord ? Sur le fait que de l'agneau de 6-8 mois, il pose... Hein, on est d'accord ? Tout le monde qui a pas, ne sait pas. Ben oui, tout à fait. S'il vient de dehors, il y a moins de gras, et c'est plus apprécié par le 60. Absolument. En plus, un phénomène
rappelle pas suffisamment. Parce que si on veut travailler sur donc, notre viande d'agneau un peu trop grasse, la solution, elle est aussi là, pour être plus vers le 2 que vers le 3 et le 3+, et pour que ce soit apprécié. Parce que la critique qui est faite par le consommateur sur notre viande d'agneau, c'est toujours un peu trop gras. Un peu trop gras, oui, c'est bon, mais c'est un peu trop gras. Et donc, il faut tenir compte. Et donc, par contre, avec ces conduites-là, on a des carcasses, on est sûr et certain, on peut faire des carcasses lourdes, y compris des carcasses de femelles lourdes, sans qu'il y ait de gras. Absolument. On peut mener des carcasses de femelles à 19 kg, 20 kg, sans qu'il y ait de gras aussi lourd que les mâles. Bon, voilà ce qu'il faut aussi rappeler dans ces conduites-là. Il y a toujours un inconvénient, avantage. Absolument. Après, on est sur des croissances plus lentes. Hein. On a moins de dépôts de gras. Mais c'est sûr qu'on est, pour ceux, si vous connaissez tous la classification hein, de l'agneau, on est entre du 2 et du 3. On a une assez grande proportion de 2. Hein. On n'a pas des agneaux qui sont couverts du tout. Hein. Et alors, les prix, hein, les prix, c'est 2022. Vous avez vu, c'est écrit là. Hein. Donc là, vous allez me dire, ils sont payés rien du tout. Alors évidemment, maintenant, ils sont beaucoup plus chers. Hein, mais ce qu'il faut que vous voyez, c'est qu'en fait, on a les mêmes prix de carcasse entre la romane et la berrichonne, hein, qui est au niveau conformation. Et les agneaux berrichons, ils se sont très bien comportés à l'herbe aussi. Hein. Pas eu de problème majeur. Voilà. Alors, un mot sur le bien-être animal quand même, parce que ce sont des animaux qui se pâturent toute l'année, y compris en hiver. Évidemment. Et donc, on a réalisé plusieurs mesures. Hein. Donc, c'est l'INRAE qui a réalisé ces mesures. Donc, ça, c'est les mesures qu'on réalise quand on fait du bien-être animal. Il y en a d'autres, hein, mais ce sont des exemples. Bon, la brebis, elle a un imperméable, hein, c'est sa laine. Hein. Donc, quand il pleut, la laine, elle est mouillée sur le dessus. Mais c'est comme nous, quand on a un imperméable. Hein. Quand il pleut, bah, c'est mouillé là, mais on n'est pas mouillé sur la peau. Donc, on n'a pas, voilà, on n'a pas froid. Une brebis, ça a un imperméable. Ensuite, on a regardé les salissures. Ça peut être important sur des agneaux. Hein. Les agneaux qui sont à l'herbe ne présentent pas de problème de salissure particulier sur les flancs. Hein. Il n'y a pas de problème majeur, ni de l'arrière-train. Et alors, on a également regardé tout ce qui était boiterie. Il y a un document très complet sur le sujet que vous trouverez sur le site sirpo.idel.fr. Voilà. Et pour terminer, quelques critères techniques et économiques. Vous avez ici les deux années, donc je ne sais pas si vous voyez bien au fond. Donc sur la romane, en moyenne, en prolificité, on est à 230%. Et la berrichonne est quand même, la berrichonne, elle est quand même à 190%. Hein. C'est quand même très élevé. Hein. Vous avez les taux de mortalité, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, entre les deux années, ce n'est pas extrêmement différent entre l'agnelage dedans et dehors. Et vous voyez, c'est des systèmes qui produisent de l'agneau. Hein. En berrichon, on est à 1,2 agneau produit par brebis, hein, ce qui est quand même très bien. Et on est à 1,7 en romane, tout simplement parce qu'on a plus de prolificité. Alors, le choix entre les deux races, alors là, il y a plus de prolif, donc il y a quand même un peu plus de travail à l'agnelage. Et puis, vous avez plus d'agneaux qui sont élevés au biberon. Parce qu'à 230, pour faire adopter, on ne peut pas tout faire adopter, quoi. Et en matière de marge brute, donc 152 euros sur les romanes et puis 102 euros sur les berrichonnes, donc des marges brutes très très correctes hein, qui viennent du fait qu'en fait on est sur des systèmes qui sont très pâturants, quoi. Très pâturants avec peu de concentrés, à la fois surtout sur les brebis, très très peu de concentrés sur les brebis et assez peu sur les agneaux qui en fait sont des agneaux d'herbe. Vous n'avez pas d'autres questions ? Bon, ben merci bien. Merci à vous.